Oui, rebonjour YouTube, vous n'avez rien loupé comme j'avais quitté un... Ah, ça fait mal aux jambes. Donc voilà, en même temps, vous devez voir mes FPS en haut pour voir combien... c'est vrai que c'est pas très fluide quand même. Hein. Même après avoir fait quelques réglages, malheureusement, ça devrait être un peu fluide, si j'étais en hors stream, mais bon, là comme je suis en stream, c'est un peu chaud. Du coup, je continuerai sûrement à y jouer hors vidéo. C'est juste pour faire une petite découverte vite fait. Sinon, je ne compte pas faire let's play ou quoi que ce soit dessus. Ah, j'oublie qu'à chaque fois il n'y a rien à faire, il faut que je fasse moi-même. Très bien, mais encore. Ah, il y a mon coffre 3 de plutonium. Ok. En tout cas, merci quand même à Kirito 349, pardon, pour m'avoir indiqué ces petites techniques. Bon, là, les commandes, je sais pas que ça va encore bugger. On quitte la planète. Nous sommes sortis. Station spatiale. Ouais, la vue également dans ce vaisseau, elle est pas terrible quand on va monter. Voilà. Et c'est qui part. Ah, la carte galactique en appuyant sur M. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, donc ça c'est la carte. L'hyperpropulsion. Bon bah. L'hyperpropulsion activé. Ça prend son temps en tout cas, hyper propulsant. Bon, on y va, on va à la balise.
on y atterrit! Nous y arrivons. C'est bon. Oh là là, ouais, là, par contre, ça peut. Ça va, l'atterrissage. Voilà, par contre, il y a vraiment des problèmes. Faut attendre une seconde. Je crois savoir pourquoi ça fait ça. C'est assez dangereux, je trouve. Parce que j'ai mis la priorité trop haute. Ouais, c'est normal que ça l'aille. Hein. Je n'y peux rien, malheureusement. Désolé pour vous. Que ce soit en vidéo ou sur le stream. Sinon, je peux pas utiliser mes contrôles et c'est assez dommage. Quelque chose là-bas. Un avant-poste. On ira plus tard. Non, on va y aller maintenant. On va juste aller prendre ce mot-là. Donner. C'est quand même un peu plus fluide que tout à l'heure. Même si ça lag toujours quand je le lis. Ah, le coffre. Ah, il faut un passage là, je sais pas où on les a ces trucs. Bien sûr, je n'y vais pas à pied, hein. Je prends mon vaisseau, je ne suis pas idiot. Moi, je ne pense pas. Allez, bon petit lag. Allons-y!
On se calme. Le bon jeu qui lag. Et on va en profiter pour j'ai arrêté de donner un peu trop. Ah oui, je vais tout donner, c'est malin ça. Je peux pas faire l'hypoblogion, c'est chiant. Alors. Voyons voir ce qu'il y a dans cet avant-poste. Oh, il y a les plus. Oh, il y a oh là là, le plus. Bonjour la vache. On est toute mignonne. Ça, c'est du fer, ouais, bien sûr. Oh, les belles créatures. De place, mais oui, bien sûr. Ça, c'est le vaisseau. On s'en jette. Hein. Bon, on va acheter un de ces trucs là parce que bon, c'est pas très utile. Comment ça, inventaire plein, ouais. C'est pas des milliards de places quand même. Ah, mais oh là là, je vide tout ce qui est mon vaisseau. Oh là là. Reviens ici, je ne te laisserai pas appeler tes copains. Plutonium. Là, c'est bon, on va connecter le chat. Comme je n'ai qu'un seul écran, il faut que j'utilise mon téléphone portable pour regarder le deuxième chat. Je pose un petit peu. C'est pas chien. On va dire ce qu'on peut dire. Bonjour monsieur. Carbone, j'ai pas de carbone sur moi, si.
Peut-être ici. Où est-ce que j'en ai le carbone? Oh, j'aurais pu. Oh, maintenant. Oh là là. Carbone. Comment ça va se voir de portée? Tiens, qu'est-ce qui s'écrit là? Pardon. Parce que là je suis assez proche du vaisseau. Ouais. Donc on va juste sortir du carbone. Et on va voir ce qu'il me donne pour ça. Mais sinon j'ai déjà le système d'hyperpropulsion sur ce vaisseau. Ah il est là. C'est un vaisseau de précommande. Encore. Il m'estime en tant que client, il m'estime mieux ou pas encore? Non, au bout de 4 peut-être. Au bout de 5. Si c'est ça. Ok. On retourne au vaisseau. Puis on va dans une station orbitale et on va voir ce qu'on peut faire. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette petite découverte de No Man's Sky en deux parties. Je pense qu'après sur le live on switchera sur un autre jeu, je sais pas, j'avais envie de me faire Tales of Zestiria depuis un petit moment, ce sera sûrement ça. Et ça sur orbital là-bas. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre. Bon après ce jeu c'est sympa quoi, un jour ou deux mais après on s'en lasse quoi. Très très rapidement. Ah, par contre, c'est pas moi qui contrôle, ça se fait touche.
Merci. C'est gentil. Ok. Bonjour. Bonjour. Voilà. Après, il y a celui-là aussi. On va vendre ça en attendant que ça coûte cher. Ok. Et on achète des articles. Il me faut de l'antimatière. Ah, je vois. Je vois, je vois. Là, je peux crafter quelque chose ou pas? Ouais. Alors pourquoi j'ai vendu mon titanium? D'accord. Maintenant qu'on a ça, c'est suffisant. Ah bah il faut que je les vende maintenant. Merci de me dire ça après que j'ai tout vendu. On va pas vendre le plutonium, ça c'est assez important. On va vendre ça, hein. Bon, bah voilà qui conclut notre découverte, à moins qu'il n'y ait qu'une nouvelle étape rapide à faire, pour voir. C'est pour les lumières ou pour une autre unité encore? Alors qu'est-ce qu'il me demande de faire?
Oh mais c'est pas vrai, il veut que j'en fabrique une maintenant. Et il croit pas. Je viens de le faire. Peut-être que j'ai été trop rapide. Peut-être que je suis trop rapide. Ah, du coup, voilà quoi, qu'est-ce que je peux vendre hein. On va vendre du platine, hein, voilà. Puis on va acheter tout simplement de l'antimatière. Ah mais je l'avais pas encore rechargé, d'accord. Bah on peut en créer une hein. T'en recréer une. Mais manque du tamium hein. Ok. Faut que je décolle. On appuie sur M. On s'y TP. Aïe. Ok. Et ben voilà. Nous allons arrêter là pour cette découverte de No Man's Sky, autant sur le live que sur YouTube. Là, ça me donne envie de continuer, donc je continue hors live, je pense, comme ça j'aurai plus de live, etc. Et on reprendra un live dans un petit moment. Donc là, je coupe la vidéo de YouTube.